Hey yo les potes, comment ça va aujourd'hui? Eh ben moi ça va super. Donc aujourd'hui petite vidéo présentation de cartes de vide-grenier. Donc vous allez voir, il y a quelques pépites. Fin de vidéo, on va s'ouvrir un petit booster tempête argentée. Donc les gars, moi je vous cache pas que la carte que je recherche, eh ben c'est lui en alternatif. Parce que moi je suis pas là pour enfiler des perles, ok? J'ai pas de chance, mais vous m'en donnez, donc... Peut-être que grâce à vous, on va choper une dinguerie. Donc restez bien jusqu'à la fin. Du coup les gars, c'est parti. On va commencer tranquillement. Donc là, il y a mon petit classeur. J'en ai encore plein dans des boîtes, mais là, on va dire qu'il y a les principales. Là, il y en a quelques-unes que je garde pour la fin. Parce qu'elles sont vraiment sympas. Donc let's go. Première petite page. Armaldo, gardien du pouvoir, Fenard, on dirait QB, il est incroyable. Hop. Ronflex VMAX, bon vous verrez, hein, c'est du vide-grenier les gars, donc faut pas s'attendre à du neuf. Galecki, gardien de cristal, Giratina, promo. Celles-ci, elles sont incroyables avec les Pokéballs. Emerald. Hop, un petit Barpo, île des dragons. Les cartes promo, Arceus, Palkia. Manaphy, HGSS, les gars. Alors, cette carte, je l'ai vue sur eBay, en anglais, PSA 10, vendue pas loin de 1000 euros. Incroyable. Bon, la mienne, elle est pas en PSA 10, ça, c'est sûr. Mais elle est quand même là. Je suis content de l'avoir. Un petit Latios avec une petite spirale au milieu, hein, bien sympa. Lugia brillant, ça c'est une carte promo. Avec son petit frère à côté. Le Métamorph Pikachu. Oh oh, pareil, je crois que c'est HGSS. Ah non, pardon, c'est X-Force caché. Très sympathique. Et il est en bon état. Il est vraiment en bon état. Bah j'y rêve, avec la spirale encore. J'aime trop ces petites spirales là. Des fois je les cherche. Je m'amuse à les chercher sur les cartes. Ronflex, île des dragons, Togetic. Bon, c'est pas du Nirmint, on est d'accord. Mais ça fait plaisir hein, quand tu payes ça. Quand tu payes ça 10 centimes ou 20 centimes la carte. Là j'ai vu une spirale. Elle est là. Elle est là la spirale. Là j'ai un petit Galam. Et j'ai pas compris parce que je l'ai comme ça et là je l'ai comme ça. C'est pas le même graphisme. Pourtant c'est la même carte. Hop, mini Draco. Draco. Oh là là, ça c'est incroyable. Ça c'est du coffre des dragons. On a le Draco le avec. Ça après c'est du diamant et perle éveil des légendes. On a le Dracolos aussi. Alors cette carte, je l'ai vue partir à 40 euros récemment. Et la mienne, elle est plutôt en bon état. Moi, je cherche pas à la vendre. Je suis content de l'avoir. Encore une petite spirale là-haut. Tritoisaur. Trico. Arco. En français. Elexprint et Emerald. Sympathique. Altaria. Un petit Deden. Arceus level 100. Moi je dis Arceus. Hop. Philali. Nymphali. Et lui les gars, je sais pas si vous en pensez, vous allez me prendre pour un fou. Mais je trouve qu'il ressemble trop à ce personnage là. Lui là. Dr. Stone. Hop. Le Voltali. Jungle. Il est incroyable. Là, on a le Team Rocket. Celle-ci, les gars. Elle a des imperfections, bien sûr, mais elle a un gros trait. Mais elle est en super bon état. Franchement, pour du vide-grenier, c'est pas une dinguerie. Ensuite, Pyroli Obscur.
Là, j'ai la même holographisme comme ça et holographisme comme ça. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être normal, mais bon. Je me dépêche un peu, j'ai pas envie que la vidéo elle dure 40 minutes. Ouh là là. Donc là, on commence à atterrir vers le set de base. Il y a de l'édition. Ça, pareil, hein. Si j'ai payé ça 50 centimes la carte à tout casser, même pas. Vraiment, même pas. Le trio de choc, elles sont tellement belles ces cartes. Juste derrière, on a les évolutions. Bim! Oh là 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 là. Incroyable. Smogo. Le Pikachu. Tac. Hop. J'essaye en fait de refaire le set que je peux. Pour pas cher et franchement, je commence. Franchement, c'est cool. Xatu, ça c'est. C'était quoi? C'est du HGSS aussi. Je l'ai mise là parce qu'en fait, c'est pareil, elle est en super bon état. Pour du vidurier, franchement. Tu vois, oh, y a quand même des micro-rayures, hein, mais. Franchement. Et à l'arrière, hop. C'est dingue. Hein. Y a des points blancs, bien sûr. Mais... Et ça, là, pareil, j'ai dû acheter ça, 20 centimes la carte, tu vois. Et bah, ça pète. Un Loclass fossile. Elle est défoncée, la carte, mais. Mais ça va, là, c'est correct, hein. Ça, c'est pareil, c'était même pas 1€ la carte. J'ai acheté des lots. Rwagada de Neo Genesis. Enfin, c'est Slowking, c'est en anglais. Mais ça fait plaisir. Pareil, il a une petite spirale ici. Là. On la voit pas trop, mais elle est là. Et ça fait plaisir. Ensuite, petit Fenard du set de base. C'est pas de l'édition, hein, mais je suis quand même content. Elle est mangée, mais bon. Elle est là. Ensuite, Mewtwo. Dinguerie. Pour une misère. Et la dernière, et pas des moindres, c'est une édition 1. Et c'est Raichu. Bon, elle est dégueulasse, hein, je suis d'accord, hein, mais je suis bien content de l'avoir. On m'a dit que c'était une fausse. J'ai rigolé. L'holographisme, il fait faux, mais c'est celui-là. C'est le vrai. Je vous replace bien. Et on va s'ouvrir le booster Tempête Argentée. En espérant qu'il y ait une dinguerie. Parce que j'ai remarqué que vous m'apportez de la chance, les gars. Pokémon, je suis pas très chanceux. Mais avec vous, ça passe. Donc, c'est parti, les gars. Oh, je me suis spoil, j'ai vu un truc. Ça a l'air pas mal. Petit code. Ça brille en tout cas. C'est rare. je vous l'ai dit, vous m'apportez de la chance. Donc c'est celle-ci. Ça sent bon, les gars. Oh là là, je me suis encore spoil. Le flash, il me spoil. Incroyable. Ça fait plaisir. Allez, sors-moi une dinguerie. Sors-moi ce Lugia, s'il vous plaît, là, sortez-moi ce Lugia. Barpo, Sonistrel, Stalgamin. Hop. Donc, il n'y a pas de TG, il y a une reverse, mais derrière, il y a un gros hit. Oh là là, oh, c'est une V-Star. C'est une V-Star. Oh là là, incroyable! Eh ben, c'est pas l'alternatif, mais c'est le V-Star, et franchement, je suis trop content. Oh là là, je suis trop content. Mais là, franchement, merci les gars, mais sérieux, vous m'apportez trop de chance. C'est incroyable, ça. C'est fou. Merci à tous. Mais vous êtes incroyables. En tout cas, merci à tous.
d'avoir regardé la vidéo. Et puis, restez comme vous êtes, changez pas. Vous êtes vraiment super. Et puis, gros bisous. Et puis, on se revoit vite, les gars.